Hey tout le monde, c'est Titi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour une petite course en ponto accompagnée d'un abonné d'Az. Salut à toi. Donc c'est une petite course que j'ai trouvée sur le CCL Club qui avait l'air assez cool. Donc je voulais la faire en vidéo. Wow, on est 4 que je voulais faire en vidéo. Donc il y a aussi un ami à moi qui dans la course, c'est Anton 1. Anton 1 qui est, vous pouvez le voir en troisième position là, en haut à gauche. Donc dédicace à lui et à Daz, la grosse dédicace à toi, l'ami. J'espère qu'on va finir classé, c'est notre but quand même. Parce que si on finit pas classé, voilà quoi, ça serait un peu la honte. J'ai mis deux petits tours comme ça au moins, ça va pas durer trop longtemps. Voilà, tout simplement. Oh mince! Ah non, c'est bon, nickel. Ah oui, donc j'allais faire un truc. Donc c'est après la course, enfin je pense qu'après la course, parce que ou quand je finis, parce que là tu vois je peux pas le faire en même temps. Je vais faire un petit test. Voilà, je vais lui proposer un test. Il sait pas du tout c'est quoi comme test. Je vais lui expliquer après. C'est une surprise, voilà, pour lui et pour vous. Donc moi je sais c'est quoi comme test, bien évidemment, mais lui c'est pas et vous non plus. Donc je vais lui faire un petit test et on va voir selon ce test quel résultat a-t-il obtenu tout simplement. Mais je vais te le faire après la course parce que sinon je risquerai de finir bien loin derrière vous, tout simplement. Donc je te propose qu'on se concentre pour la course et après je te le fais. Comme ça au moins. Comme ça au moins on peut gérer la course. Les ponts t'as dit? Ah les points. Ouais c'est possible. Aïe. Moi je me suis pris un arbre imaginaire bien évidemment. Aïe. Un deuxième arbre. Troisième arbre. Allez. Quatrième arbre. Attends, là je viens de me prendre. Antonin. Salut Antonin. Il a une voiture custom, ça compte pas. Il m'a poussé. Le petit bagnard. Le petit bagnard, il se barre sans moi. Attention. Oh, c'est ma vidéo. Tu reviens ici, mon petit bagnard. Petit bagnard, tu reviens. Et toi, t'es combien de temps? T'es dernier. Ah, quatrième, ça va. J'arrive pas à le retraper. Ouais, j'avoue, ben c'est ce que j'ai fait. Je suis passé en deuxième position. Hop là. Donc ça va, la course, elle est très sympathique. Ouais, j'avoue, tu peux pas rattraper parce qu'il n'y a pas de wall ride. Enfin, des wall ride avec des pontons en même temps, ça le fait pas trop. Hein. Non, mais il n'y a pas de wall ride, il n'y a pas de looping, tout ça comme ça. Pourquoi quelqu'un se rate là? C'est de la course. Sur terrain, enfin, je veux dire, course droite, sur une ligne droite, on va dire ça comme ça, donc, si tu te files, t'es dans la mouise, tout simplement. Non ? Regarde, je me suis file avec Antonin. Oui ? Tiens ! Oui ? Quoi ? Attends, je rêve où il y avait quelqu'un qui avait une mini, là. Je rêve où il y avait quelqu'un qui avait une mini. Le premier, il est... D'où il a une mini, lui ? Enfin, une mini, ouais, elle ressemblait à une mini. Sur GTA, je sais pas comment elle s'appelle, mais dans la vraie vie, c'est une mini en fait. Attends, faut qu'on le rattrape pour que je vous la montre. Mais eux, il avait une mini. Je. Couleur croc de la salle. Hein? Aïe. Aïe. Mince! Non, je suis tombé dans le fossé. Victime. Victime bolos. Attends, là, je me suis fait premier. Ouh, il y a quelqu'un qui a rage kit. Ça fait mal par contre. Deuxième tour, ça va. Donc vous pouvez voir que. Hop là, oh, double backflip. On revient sur le derrière, tout simplement. Donc ça va, la course, elle est pas si longue que ça. Parce que le troisième, je l'avais rattrapé, il a quitté. Toi, t'es à l'ouest, toi. Hop là. Donc on va essayer de finir à la première position sur 3, donc voilà. Ouais, mais ah ouais, t'es loin, mec. Franchement, t'es loin. I'm sorry for you, mais t'es loin. Ouais, ouais, salut, t'as vu? T'as vu où je suis? Non! J'ai explosé! Do you serious, bro? Non, j'ai explosé, vas-y. Antonin m'a doublé. Vas-y, c'est bon, je vais rage quitte, c'est bon. Antonin s'est gamelé. Mais je me suis gamelé. Vite, Antonin, il est juste là. Il faut que je le double. Mais ça va, nickel. Ouais, ça drift. Attends, là on va le prendre parce que tout à l'heure j'ai pas pris ce jump. Je suis passé juste à côté comme un... comme une tapette. Voilà, tout simplement. Là on va pas faire la tapette.
plat. Ouais, par contre, elle drift la Panto. Elle drift à mort. Je rêve ou elle drift? Voilà, tout simplement. Donc, je n'oublie pas le. Moi, je suis à la moitié du premier. Enfin, du deuxième, excuse-moi. Enfin, presque à la moitié du deuxième. Désolé pour cette mauvaise nouvelle. Parce que je pensais que tu étais content que tu avais passé ton deuxième tour, mais je pense que je t'ai gâché un peu la joie. Donc t'inquiète pas, je n'oublie pas le petit test que je vais te faire à la fin. J'espère que la vidéo va pas se faire trop longue. Donc je vais me dépêcher de finir la course au plus vite. Parce que là, la course elle est pas si longue que ça. Donc ouais, j'ai choisi une course pas si longue que ça et pas si difficile. Comme ça au moins on la finit vite fait. Ah non, non, un petit test que j'ai préparé moi-même. Allez, je me reprends le même à côté tout à l'heure. Non, c'est un petit test que j'ai trouvé moi-même. Tout simplement sur un petit livre, tout simplement. Tu verras, tu verras. C'est un petit test ou un peu what the fuck, voilà. C'est pour la vidéo, tu vois, qu'il y a un peu plus de fun. Parce que sinon, voilà, si on parle que comme ça, c'est pas très intéressant pour les abonnés. Par contre, pourquoi j'ai pris cette couleur? Je ne sais point. Je ne pourrais nullement vous dire la réponse. Parce qu'elle est un peu de fin. Dégueulasse. C'est une couleur qui ressemble à rien. Voilà, tout simplement. Hop là, petit drift. OKLM. Là, on passe dans le trou. Ah, tu connais? Bah oui, je connais, ben oui. Bah oui, je connais. Tu croyais que je connaissais pas? Par contre, Antonin, il me colle au cul. Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut que je trace. Hop là, petit drift. Au calme. On va essayer de faire la première position. Parce que là, si on se fait doubler, vous imaginez la rage que j'aurai. Oh ouais, elle est pas mal, franchement. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur une autre course, mais franchement, elle était pas au top, au top. Donc, peut-être que je vais pas la mettre. Peut-être que je spoil la prochaine vidéo. Qui c'est eux? Non? 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 Ouh, ça va, il est long, en fait. Ça va. On est posé. Au Kailim. Tranquillou, bros. T'as fini? Bientôt. Compte jusqu'à 20 secondes et tu verras que j'aurai fini. Tu verras. Tu verras, tu verras. Tu verras, verras. Bon, ça c'est un mythe, c'est une chose, mais je me sens pas les couilles. Hop là, je fais du freestyle. Voilà donc, la ligne d'arrivée est devant moi. Voilà le petit gagnant de cette petite course. Et moi. Voilà donc, je vais commencer tout de suite de te faire le petit test. Donc j'ai fini la première place et ça c'est bien. Donc ce qui est bien, c'est que je pense que tu vas finir non classé. Enfin c'est pas bien, mais je pense que tu vas finir non classé et je vais encore plus t'embrouiller avec le petit test que j'ai préparé pour toi. Voilà, dites-moi si vous aimez que je fasse des petits tests. Attendez, attends, je le recherche. Voilà, donc c'est un peu un test what the fuck. C'est quelle star serais-tu? Donc en gros, si t'es une star un jour, bon je pas, mais si un jour tu vois, tu démontres tes capacités théâtrales, je sais pas si ça se dit, et que tu deviens tu vois. Voilà, donc je pense que tu vas finir en classé. Donc je vais commencer. Quelle star serais-tu? Voilà, donc je vais faire le petit test et à la fin on verra quelle star serais-tu si un jour tu deviens star. Voilà, donc vous pouvez aussi répondre dans votre tête, les abonnés, et me dire ce que vous finissez. Donc, alors, première question, donc en tout, il y a 6 questions. T'écoutes? Est-ce que tu m'entends? T'es concentré, alors. Dans la première scène de ton film, tu fais quoi? Tu cours sur le toit d'un train en marche, tu chasses un moustique qui t'empêche de dormir, ou tu joues de la guitare pour ton amoureuse? Que fais-tu? Que fais-tu? Je chasse un moustique, je sais pas quoi. Tu chasses un moustique qui t'empêche de dormir. Donc en gros, dans ton premier film, tu fais ça en fait. Tu chasses un moustique qui t'empêche de dormir. Ok, pas de soucis. T'es bizarre toi, t'es un petit type bizarre. Voilà, le meilleur tour au KLM. Ensuite, 2. Tu dis tout le temps. Donc ta réplique préférée, c'est quoi? Ta réplique préférée dans les films, c'est quoi? Alors c'est... Où est mon chapeau? Ou que personne ne bouge? Ou il va y avoir de la casse? Au troisième possibilité, voulez-vous une coupe de champagne? Quelle est ta phrase? Ah ouais, mais toi t'es perché en gros. Ta réplique préférée c'est où est mon chapeau? Bref, pas de soucis, attends, on va voter mode libre quand même. Voilà. Donc ensuite, pendant tout le film,
tu gardes sur toi. Donc en gros, sur toi, il y a quoi? Une lettre de ton fiancé, de ta fiancée, excuse-moi. Ton pyjama que tu avais oublié de retirer. Oh là là, le mec perché carrément. Ou un stylo lance-missile. Mon pyjama que j'avais oublié d'enlever. Non, mais t'es... Ah ouais. Toi, je sais pas ce que tu vas jouer dans un film, peut-être que tu vas jouer un petit mec perché, un petit clodo. Ben, je sais pas, moi perso, j'aurais choisi un stylo lance-missile ou un truc comme ça. J'aurais pas choisi un pyjama que j'avais oublié de retirer. Ouais, bref. Bref, chacun ses goûts, hein, on va dire ça comme ça. Un stylo lance-missile ? Ah ben, un stylo lance-missile. Mais t'entends ce que je dis ou pas, en fait ? On va dire alors. Ben, en fait, tu vois, ça lag. Mais tu peux dire que je répète. Alors, une partie du film se passe en mer. Tu es à bord d'un pédalo à voile et à vapeur, d'un paquebot de croisière avec bar et piscine, ou d'un sous-marin pour une mission secrète. Un paquebot. Ok, voilà, là je te préfère. Un paquebot de croisière avec bar et piscine. Oh, ça c'est bien. Un bateau à voile, c'est bien aussi, hein. Ouais, mais y a pas de bateau à voile en fait. Il y a un pédalo à voile. Bref, t'as choisi ça, on revient pas sur la question. Question numéro 5. Finalement, tout se termine bien grâce à toi. Enfin, bien grâce à ton charme irrésistible, ton courage et ton sang-froid, ou tes grimaces à hurler de rire. Qu'est-ce que c'est? Mon courage. Ton courage et ton sang-froid. Ouh, ouh, le petit Daz, il est fort, il est courageux. Non, je tiendrai pas sur mes roues. Et pour finir, à la fin de ton film, il m'a victimisé là. Alors, ouais. À la fin de ton film, tu pars. Où est-ce que tu pars en fait? Aux commandes de ton jet privé, dans une voiture décorée de tulle après ton mariage, ou sans regarder devant toi vers une bouche d'égout. Je pense qu'il y a quelqu'un. T'es sérieux? Attends, je répète. À la fin du film, tu pars aux commandes de ton jet privé dans une voiture. Mais attends, écoute, parce que là, je pense que tu dis au hasard. À la fin du film, tu pars aux commandes de ton jet privé dans une voiture décorée de tulle après ton mariage, ou sans regarder devant toi vers une bouche d'égout. Tu prends quoi, allez? Allô? T'es sûr, tu prends ça? Non, mais attends. Non, mais en fait, attends. J'ai pas entendu tes questions. À la fin du film, tu vois, une fois que le film il va finir, quoi. Ouais. Tu pars. Alors, tu pars. Où est-ce que tu pars? Tu pars. C'est privé, en fait, alors. Ben, tu choisis. Ok, bon, on va faire ça. Tu sais quoi, je vais plus m'embrouiller avec toi, voilà. Je vais tout de suite te dire les petits résultats que tu as obtenus. 1, 2. Alors, les résultats que tu as obtenus, mon cher ami, sont les suivants. Quelle star tu serais-tu? Alors, tu vas être comme star, alors tu seras. Tu feras plutôt carrière dans le comique. Tu as un grand sens de l'humour. Tu aimes te donner en spectacle, faire le pitre, et tu trouves facilement les démos qui font éclater de rire tous les amis. Sale comique, va. T'es sale comique. Donc on va se quitter sur ce. J'espère que ce petit test, enfin, ce petit jeu vous a plu. Ouais, je l'ai vu. Bon, ta moto, vas-y, viens la montrer. Je pense que tout le monde s'en bat les steaks parce que la mienne, elle est meilleure, bien évidemment. La mienne, elle est meilleure. On va se quitter sur ce. J'espère que ce petit mode de jeu vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Et moi, je vous dis ciao, ciao. À bientôt. Je vous attends pour une nouvelle vidéo. Allez, à tout de suite.